Je fais cette vidéo pour parler sur les statues. Parce que comme j'ai expliqué à vous de la lumière, ceux du monde Horus, c'est interdit de vénérer les statues. Statues existent aussi des statues, comme j'ai expliqué, au monde Horus. Mais les statues qui sont au monde Horus définissent l'art et la beauté. Donc, qui va joindre aussi de ce qu'on vous dit, décoration, qui est l'art, qui est l'art. Comme aussi un peintre. Peintre existe aussi. Mais au monde Horus de Dieu Isis, on ne vénère pas les statues. C'est interdit. On n'a pas à vénérer des statues. Donc, surtout, ce qu'il est trahi aux religions du Christ, on constate toutes vos créations démons. Et on constate qu'ici, sur Terre, donc on voit l'enfer du Christ, puisqu'ils ont mis et ils ont créé l'enfer du Christ sur la terre de Dieu, mais contre Dieu. Donc, on voit quoi? On voit plein de statues. Des statues démons de partout. Même la bête gargouille avec des dragons. Des statues démons partout. Sur toute la terre. Donc, des religieux du Christ. Alors, comment expliquer de ce que vous dites? C'est vous qui dites qu'il faut vénérer des statues. Mais au monde de Dieu, au monde de Dieu, au monde Horus, on ne vénère pas des statues. On ne vénère pas des statues. On ne vénère pas des pierres. Des pierres, des statues. Tout ça, c'est interdit, tout ça. Donc il faut comprendre que c'est ça qui vous trahit. Puisque vous parlez de pierres démons et de statues démons. Et comme j'ai expliqué, souvenez-vous que j'ai même filmé Stellarium et que j'avais montré sur Stellarium, on voit le sculpteur, nommé le sculpteur, celui qui sculpte, le sculpteur qu'on voit sur Stellarium. Vous pouvez vérifier, vous pouvez regarder. Et que j'ai montré la vérité, que le sculpteur qu'il montre, Marduk, sur Stellarium, ça parle des reptiliens, le sculpteur démon du Christ. Et qui sont liés à toute leur création qu'on voit ici à l'enfer du Christ. Donc, ils créent des statues démons. Et c'est ça qui vous trahit. Donc, voilà déjà sur ça. Il y a aussi, je ferai encore d'autres vidéos contre vous, les religieux du Christ. Et ayez très crainte, hein, parce que c'est la vérité de Dieu qui gagne. Ce n'est pas vous. Vous avez compris. Donc, quand vous dites, oui, les cinq clés pour aller à la spiritualité, les cinq clés pour être sauvé. C'est quoi que vous racontez? Puisque Dieu sait la vérité, que c'est sa vérité divine qui sauve. Et non l'argent. Et non l'argent du Christ. C'est la vérité qui sauve. Et que j'ai même montré que la vérité de Dieu est une grande richesse. Bien sûr, richesse n'a aucun lien avec votre argent démon de votre pute Christ. Vous avez tout compris sur ça. Donc, ayez très crainte.